Je suis Dr Ousmane Camara, enseignant-chercheur à l'université Al-Imar, c'est l'université franco-arabe de Guinée, spécialiste en théologie et chercheur en finance islamique. Bismillahirrahmanirrahim, c'est une bonne question. Nous sommes dans un moment idéal où chaque musulman doit multiplier les efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. C'est les bienfaits ou bien les mérites de ces 10 jours et cités dans le Saint-Coran comme dans les hadiths, dans le Coran. Allah dit surat al-Fajr, وَالْفَادَعُزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Et la plupart des ulémas sont unanimes que وَلَيَالٍ عَشْرٍ, Allah a juré par le Fajr et les 10 premiers jours, les 10 nuits jours, les 10 na'am jours, c'est les 10 jours du mois de Zulhijja. Donc le hadith aussi est rapporté par Imam al-Bukhari, Imam Muslim. حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. C'est-à-dire il n'y a pas de jour dans lequel poser des actes, des bons actes d'adoration est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien inshallah subhanahu wa ta'ala plus que ces 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Donc voilà les mérites de bienfaits de ces 10 jours. Donc parmi les adorations, les actes qu'on peut poser dans ces 10 jours, il figure non seulement les actes obligatoires, la prière, faire correctement ces actes, mais aussi les actes surrogatoires qui sont immoler, comme vous avez tout à l'heure, immoler la bête. Voilà, adha, immoler la bête. Mais immoler la bête a beaucoup de mérites. Mais avant cela, on va juste signaler, non seulement il y a le jour Arafat d'abord, avant immoler, donc c'est un jour spécial dans ces 10 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux fidèles musulmans pour se rapprocher de plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour a beaucoup de mérite. Donc nous qui ne sommes pas, tous les musulmans qui ne sont pas à la Mecque, qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Mecque cette année, donc sont demandés de faire le jeûne de ce jour. Et surtout tous les 10 jours même. Donc ceux qui n'arrivent pas à avoir les 10 jours, alors le mois de Arafat, ils vont faire ça. Ça pardonne les péchés de 2 ans. Faire le jeûne de ce mois de, comment on appelle, le Yom Arafat. Donc en plus, le jour de la fête, maintenant faire immoler un bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a une histoire dans l'islam qui est longue, on ne va pas tout citer ici, mais liée à Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsque Allah leur donna de donner comme sacrifice son fils Ismaïl. Donc Allah teste ses prophètes et les croyants pour voir est-ce qu'ils croient exactement à Allah. Allah ordonna à Ibrahim d'égorger son enfant. Il est parti demander l'enfant. Ibrahim, Allah m'a ordonné cela. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, mon papa, si c'est Allah qui t'a ordonné, tu ne me trouveras que quelqu'un qui est soumis non seulement à la loi de son Seigneur, mais aussi à ta demande. Donc il demanda à son épouse aussi, sa femme. Celle-là a répété la même chose. Maintenant, Ibrahim a attaché les yeux de son enfant. En l'égorgeant, Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé l'enfant par un bête, donc un mouton qu'il égorgea à la place de l'enfant. Donc cela est devenu, dans notre religion musulmane, rituel chaque année. Le jour de la fête, les 3 jours de la fête de Tabassiki, le 10e jour, 11e jour, 10e jour, 11e jour et 12e jour. Tout ce qu'on a de moins parmi les musulmans à travers le monde de faire des égorgés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, Allah yaqul, Dieu dit dans le Saint-Coran, « La yukallifullahu nafsan illa usaha. » Allah ne demande jamais à un âme de faire ce qui est au-delà de ses capacités. Donc, si on n'a pas les moyens, on est pardonné, donc on n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas question d'aller s'endetter pour faire zakat, parce que c'est zakat, ce n'est pas obligatoire. Donc,
Donc on n'est pas allé s'endetter, exactement cette question, aller s'endetter pour faire ça. Donc ce n'est pas recommandé par l'islam. Si on a les moyens, alhamdoulilah, c'est très important, parce que quand on égorge, le sang qui coule, le sang ne touche pas la terre, sauf les anges ont mis ça dans quelque chose, donc où ils vont mettre à la balance pour donner les récompenses aux personnes qui ont enlevé zakat. Même le pot, tout ce qui se trouve dans la bête, donc va être calculé et donner la personne qui a immolé pour Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense, comme bénédiction, comme bienfait, comme mérite. Et on a les moutons, on a les vaches, on a les chameaux pour les pays arabes, mais ça ne se trouve pas chez nous ici. Donc la meilleure pour... Des chèvres, exactement. Donc la meilleure bête à égorger pour l'aide al-Adha, c'est les moutons. C'est ce que Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné à notre prophète, comme on appelle le prophète Ibrahim, pour comme remplaçant de son enfant. Donc la meilleure, c'est ça, c'est les moutons. Le mâle est mieux que femelle. Donc si on ne trouve pas mouton, maintenant on égorge la chèvre. Donc, mais si on ne trouve pas la chèvre maintenant, on peut égorger les vaches, mais les taureaux aussi est mieux par rapport à la vache. Mais quant au taureau ou bien vache, cette personne peut s'associer pour égorger, immoler, hein, comme leur sacrifice ou bien leur adha, immoler. Mais si c'est taureau ou bien une vache, je ne sais pas comment on appelle le mouton ou bien la chèvre, ça c'est une seule personne. Mais dans la famille, si comme l'homme... S'il a les moyens, il peut acheter sa femme aussi, même ses enfants, les adultes peuvent le faire. Mais s'il n'a pas tout ça, lui seul, il peut égorger avec l'intention qu'il a enlevée pour lui et pour sa famille. La meilleure bête, c'est le mouton. Maintenant, le mouton, les qualités, vous avez demandé tout à l'heure. Vous avez un troupeau de moutons. Par exemple. Oui. Donc, c'est mieux de prendre les moutons. Quel mouton? Mouton qui est en bonne santé, qui a dépassé au minimum 6 mois. Qui a 6 mois, mais si on a une année, c'est mieux. Je trouve que vraiment le mouton est présentable, aimable. Toutes ces personnes qui... Parce que si c'est nos semblables, par exemple, nous voulons donner ça comme sacrifice à une personne, quand vous donnez un mouton fatigué, malade, est-ce qu'il va être content? Non, il ne va pas être content. Et quant à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on ne donne pas à nos semblables soit content, on va donner ça à Allah, il va être content? Non. Donc on va choisir les bons moutons, même si ce n'est pas le meilleur de ce qu'on a, mais ça soit vraiment quelque chose aimable, présentable, qui est en bonne santé, les cornes ne sont pas cachées, l'œil n'est pas cassé, n'est pas caché, qui ne boite pas, même si c'est un peu pas un problème, mais qui ne boite pas de manière claire et tout le monde, tout ce qu'il voit, il voit que vraiment ça c'est malade, ou bien qui est malade, qui n'a pas de viande, est fatigué, donc ça aussi on n'égorge pas, il faut que ça soit en bonne santé, les cornes sont bien, légers, les 4 pieds, et comme nous avons dit, à partir d'une année c'est mieux, surtout si on a le choix, on a beaucoup, donc une année jusqu'à... Maintenant, quant aux chèvres, c'est, au minimum, c'est 1 an. Une chèvre qui n'a pas 1 an ne peut pas être immolée pour de l'adha. Donc, à partir d'une année, là aussi, jusqu'à les mêmes conditions, les cornes, les pieds, les yeux, et ça soit vraiment en bonne santé et présentable. Maintenant, la vache, c'est la même chose. Là, il faut une vache ou bien un taureau qui a 2 ans au minimum. Donc, 2 ans jusqu'à ce qui suit. Voilà, le-delà. Donc, minimum, ça va être 2 ans. Comme nous avons dit ici, 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un taureau et bien une vache. S'il n'y a pas de taureau, donc on achète une vache. Mais taureau est mieux par rapport aux vaches. Nous savons que dans certains pays, même s'ils donnent des moyens, ils ont de l'argent, mais ce n'est pas permis d'aller acheter et égorger partout, n'importe où, comme ça se passe chez nous ici, ou dans les pays musulmans. Donc là-bas, il y a des règles strictes pour ça. Il faut que ça soit gardé dans les abattoirs, etc., etc. Des autorisations exactement, très difficiles. Donc comme ça, si on peut, ils peuvent acheter soit un mouton, il vient, il achète ici, on l'égorge à son nom, c'est valable, c'est bien, c'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, la jurisprudence, c'est accepté.
aussi, il peut s'associer avec les membres de la famille, par exemple, comme nous avons dit, 7 personnes pour une vache, il s'associe, il achète, il égorge, donc c'est bon, c'est valable. Par exemple, une famille, le grand frère ou bien le jeune frère, il a les moyens, il achète, son grand frère n'a pas les moyens, ou bien notre jeune frère, soit il est là, soit il est ailleurs, ou bien sa sœur, donc il prend l'intention, pour telle personne et telle personne et telle personne, nous sommes associés dans ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala, oui, c'est acceptable. Non seulement il va gagner deux fois, il a fait pour ses parents, ses frères, il les est venu en aide, donc il va avoir ça, mais aussi ce qu'il a égorgé comme Adha, il va bénéficier ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala est grand et aime bien fait, donc c'est quelque chose de vraiment solitaire, salutaire. Si on a les moyens, on a des personnes qui n'ont pas les moyens, il faut faire ce genre de trucs, c'est très important en islam. Si ils revendent des choses qui sont catégoriquement interdites en islam, comme la bière par exemple, par exemple, donc il y a pas la réponse est non, c'est pas acceptable. Avec ça, on peut pas construire une mosquée, on peut pas faire des voilà, même zakat on n'enlève pas dans ça. Mais si c'est des marchandises comme ça, cigarettes où il y a la divergence entre les ulémas, donc voilà, il y a d'autres qui disent oui, une fois que c'est associé avec d'autres argent, il peut enlever, par exemple, prendre l'intention. Ça, j'enlève, dans le, même si ce n'est pas différencié, mais partie qui est licite, c'est dans ça que je prends. Donc, d'autres disent non, une fois que c'est mélangé, il faut laisser chercher l'argent qui est propre. S'il a d'autres marchandises, il peut passer par d'autres moyens. Par exemple, il a une parcelle de terrain, puis revendre ça. Donc, acheter dans ça et laisser ce qui est mélangé avec. Voilà. S'il arrive à faire ça, c'est mieux. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah tayyib, la yakbal illa tayyib. Allah est propre, Allah, et puis il n'accepte que ce qui est propre. Donc, une fois que c'est mélangé, de laisser, c'est mieux. Et Allah peut accepter. Non, mais si on laisse, c'est mieux de faire. Mentir dans son travail, c'est des péchés. Mais cela ne rend pas l'argent totalement illicite. Voilà, mentir, s'il ne fait pas trahison, trahir les gens, voilà. En vendant sa marchandise, dire... Écoulé, exactement. Dire, voilà, voilà, billah, j'ai acheté ça à 200, ça trouve qu'il a acheté à 100. Donc, il a menti. Cela est interdit, c'est du péché, mais cela ne rend pas donc, son argent complètement illicite et pour le sacrifice. Le mois Zulhijja. Donc, c'est quelque chose de très bon, salutaire. Bien sûr, avec, je peux dire, condition, en tant que l'intention, c'est de venir voilà, contribuer au développement rural, parce qu'on connaît aujourd'hui à la migration, donc vers les grandes villes. Il y a beaucoup de villages, préfectures, sous-préfectures aujourd'hui sont presque vidés de la population. Donc, une fois que l'idée c'est ça, et aider les gens qui sont là-bas, nous on a beaucoup de choses ici, et arriver là-bas, donc égorger, d'autres vont bénéficier de la viande, et etc., etc. Donc, en tant qu'il n'y a pas des intentions contraires aux principes de l'islam, en bref, c'est ça. S'il n'y a pas des intentions qui sont contrairement avec les principes de l'islam, donc c'est bon, il n'y a aucun problème, on peut le faire. C'est-à-dire, même on peut demander de multiplier ces actes, parce qu'on a vu l'exemple dans beaucoup d'endroits. Donc, aller fêter à l'intérieur, à aider, à changer l'image des villes, les liens, les relations entre les familles. Beaucoup de familles ne connaissaient pas. D'autres sont à l'intérieur, Farana, Kissidougou, Guéguéré, Corée, ils ne se voyaient pas. Donc, mais à l'occasion de la fête, les enfants vont se connaître entre eux, les parents, se retrouver chaque année, qui consolide les relations, renforce les relations. Et aussi, ça aide, voilà, comme on l'a dit, de fêter l'islam, frère, les prêches, les da'wah, beaucoup de choses, on peut profiter avec. Donc l'islam accepte parce que ce sont des traditions. La règle générale de l'islam en ce qui concerne les traditions, la condition de ne pas que ces traditions soient en contradiction avec les principes de l'islam. Si les traditions allaient fêter au village ou bien aller. En tout cas, tout ce qui concerne les traditions, si ce ne sont pas en contradiction avec les principes de l'islam, il n'y a pas de problème. L'islam accepte et encourage.
de la viande de sacrifice, en général, doit être partagée en trois parties. Donc, la personne concernée ou bien la famille va manger une partie, donc pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits sur nous, donner les nécessités une partie, et une partie donnée aux parents, même certaines ne sont pas nécessitées, mais pour renforcer les liens familiales, donc il est bon pour donner, parce que ça donne beaucoup, ça a beaucoup de signification. Ce n'est pas obligatoire, c'est qu'on est moins, mais des fois, même s'il y a des moins, parce que ce n'est pas la viande qui compte, mais avoir pensé à et donner, donc ça a des significations. C'est l'acte et l'intention, exactement. Donc, les nécessités, la famille, la personne concernée même, et les familles, les liens familiales. Parmi les actes peut annuler un, si, comme vous avez dit tout à l'heure, l'argent avec lequel qu'on a acheté est illicite, donc le sacrifice est annulé, c'est gâté. Si l'intention aussi n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est très important, donc il faut que l'intention soit à cause d'Allah uniquement, pas pour se vanter. Pour que les gens disent, voilà, telle personne a égolé, voilà, le grand mouton, le mouton de Mali, ou bien de comme ça. C'est pour exactement se faire sentir de gloire, non. Il y a le hadith, il y a même dans le Coran, le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, les gens qui ont fait des bons actes posés sur la terre, mais ils l'ont fait pour se vanter, pour se voir des louanges et gloire, Allah va leur dire, vous avez fait tout ça, c'est à cause des des bénéfices dans ce bas monde. Donc, allez rechercher vos récompenses là-bas. Moi, je n'ai pas de récompense pour vous ici. Donc, soit même la prière à la mosquée. Allez à la mosquée pour que les gens disent, voilà, telle personne. Et lui, il prie chaque jour, il prie chaque fois. Donc, ça gâte la prière. C'est comme ça aussi le sacrifice de la fête. Il faut que ça soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens disent quelque chose après, ça ne gâte pas. Soit l'intention soit seulement claire et purifiée pour Allah. Mon message ici, c'est d'appeler les fidèles musulmans, tous ceux qui ont les moyens d'acheter les moutons, des bêtes pour faire le sacrifice, et aussi distribuer la viande, comme nous avons dit, aux nécessités, surtout aux nécessités. Allah a fait la fête, c'est pour que toute la communauté musulmane se sent heureux, les stress, les difficultés, à un moment donné dans l'année, que tout le monde se sent bien, se fête ensemble. Et donc mon premier message. Dernier message, c'est l'intention, faire donc et respecter aussi les règles, ça soit des moutons de bonne qualité. Donc, et ceux qui sont à la Mecque, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah leur facilite de faire bien les rites de Hajj. Et ceux qui n'ont pas été cette année, qu'Allah leur facilite, inshallah, l'année prochaine et les années suivantes.